fait, malgré le cas, surtout au début. Kibdina Bakay, d'ailleurs, même si Adn a eu une trappe pendant 6 mois, on préparait des prototypes, pour les lunettes, on a commencé à préparer le marketing et commercial. Mais le jour du lancement, ça s'est passé à la province, ça s'est pas très bien. Parce que quand on était en préparation, on a fait une rencontre avec Wassim Badiabi, qui est présentateur à Express FM, il nous a invités pour une émission, il a vu les lunettes du terme par hasard chez un musicien, alors qu'on était au début, on faisait de la prospection. Donc, je vois que dès que. On faisait juste des études à les opticiens et on avait fait un business plan. Au fin, on a dépensé pour qu'on ait les moyens financiers et humains nécessaires. On avait dépensé décidé de lever 1 million d'INAR pour mener à bien le projet interne. Mais tout le monde était abonné, on faisait un marché sur papier. D'ailleurs, à cette époque-là, moi je travaillais dans une autre entreprise et je faisais encore une dernière année d'expertise comptable à l'IHEC. Donc on n'avait ni les moyens humains, ni les financiers. À la fin, on n'avait toujours pas commencé à prospecter les banques, on avait les besoins singes pour lever ces fonds. Alors, mais c'était une occasion à ne pas rater par la centrale de chef financier, donc on nous a invités et c'était pas prévu. À l'époque, on avait un garage de Sphère, on avait des outils qui étaient élémentaires, on n'avait pas d'argent, mais ça a été annoncé. Donc, on était devant le fait d'accueillir, on devait sortir une lunette, sinon, on allait passer à côté, personne ne nous allait plus intéresser. Ce sont des charges.
possible. Thank you.